c'est pas le même train, tu comprends? Allez! C'est quoi? Mon Dieu, le Père Noël est mort. Quel dommage, un suicide. T'es dingue? Quelqu'un l'a tué? Oh non, notre taux zéro d'homicide. Seigneur! Demandez et l'on vous donnera. Putain de merde! Il y a un tueur à bord, on doit descendre du train. On reste tous là tant qu'on n'a pas démasqué le coupable. Jésus, tu nous aides? Oui, je peux vous aider. Oh. Et en plus, je le ferai sans l'aide de mes pouvoirs magiques. C'est plus rapide avec. Papa, prends mes pouvoirs magiques. Maintenant, résolvons cette affaire. L'inspecteur Jésus est sur le coup. Voyons voir. Ok, majordome, c'était toi. On n'est pas élu porteur de l'année 3 années d'affilée en tuant les passagers. Sauf quand le service est une tuerie, évidemment. T'as fini? Ouais, monsieur. Super, parce que t'es pas important pour l'intrigue. Tout le monde dehors! Vous contaminez ma scène de crime! C'est une sorte de soirée meurtre et mystère. Je peux être la domestique sexy? Et si tu étais le suspect? Tu es monté quand à bord? Bah, je suis monté dans 2 trains, alors lequel? Ce sont des marques de fouet? Le Père Noël te bat pour que tu livres les cadeaux plus rapidement, c'est ça, hein? Un mobile! Non, non, on aime tous les coups de fouet! Tu veux parler des drogues? J'allais justement y venir. Le Père Noël nous dope depuis des années. Il veut qu'on soit plus gros et plus fort parce qu'on doit livrer à de plus en plus de monde et que le traîneau est plus lourd. Je m'en passerai aujourd'hui si ça te dérange pas. T'imagines même pas les effets de ces drogues. On a perdu Fury à cause de ça. Ouais, c'est assez pour vouloir tuer le Père Noël. Les stéroïdes coûtent une fortune. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Et dans chaque crime, il faut toujours suivre le fric. Oh, bah oui! C'est toujours le casse-noisette juif! Un juif? Je peux le rencontrer! J'ai pas tué le Père Noël, il m'a sauvé la vie! Tous les enfants adoraient les casse-noisettes, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau jouet plus cool! Tu as eu quoi, chérie? Du bois brûlé! J'avais l'impression d'être un bon à rien, personne ne voulait m'embaucher, mais le Père Noël a dit que mes points étaient parfaits pour la comptabilité, alors il m'a donné un travail! Suffisant pour payer une chapka en vison, une Rolex et un pentagramme en diamant? C'est une étoile de David. Et oui, j'ai détourné un peu d'argent, mais j'ai rendu le Père Noël riche, alors qui pourrait m'en vouloir de m'être enrichi aussi? Et boum! Voilà le mobile. Le Père Noël t'a démasqué, alors il devait mourir. J'ai encore résolu un crime. Sacré Jésus, c'est comme dans la Bible. T'es complètement fou, j'ai aucune raison de vouloir tuer la poule aux œufs d'or! Une poule? Je peux la rencontrer! Je sais que t'en es capable, parce que sans vouloir te spoiler, les Juifs m'ont bien tué, moi. Les Juifs n'ont pas tué Jésus! C'est raciste! C'est vrai. Je suis désolé. Vous faites quoi, là? Ils perdent du temps. On peut pas résoudre ce crime, c'est comme Nicole Brown Simpson ou Ron Burgundy. Ah, tu veux qu'on parle de toi, l'ennemi juré du Père Noël? J'ai rien contre lui, c'est les enfants que je déteste. Ils sont épouvantables, je les supporte pas non plus. Le Père Noël et moi, on faisait des sketchs ensemble. On s'appelait Krampus et le petit gros, on avait du succès dans les montagnes. Hey, Krampus, c'est quoi un traîneau? C'est ni une traîne, ni de l'eau. Je peux peut-être écraser les enfants avec. C'est bon, je jette l'éponge. On est restés amis. Ça fait trop mal de dire au revoir. Yalala! Une avalanche n'arrête pas l'inspecteur Jésus. Une avalanche n'arrête pas l'inspecteur Jésus. On est coincé. Oh, comme je me délecterais de vous voir tous dévorer le corps du Père Noël. Pour effacer les preuves, ça? Il méritait de mourir pour ce qu'il a fait à mon peuple. Le pôle Nord ne lui a pas toujours appartenu. Les bonhommes de neige étaient des milliers sur le continent avant que le traîneau de fer n'arrive. L'homme barbu a promis de cohabiter avec nous, mais il nous a chassés. Nos visages sans nez ont été profanés avec des carottes et nos crânes chauves et immaculés couverts par des hautes formes. C'était un cauchemar. Quel flashback pourri. Oh, je t'ennuie avec mon génocide. Tu as tué le Père Noël pour venger ton peuple? C'est de l'histoire ancienne. De toute façon, dans 10 ans, le pôle Nord aura entièrement fondu. Encore ces conneries sur le réchauffement climatique. Moi, je suis pas important, mon cul. Dans toute cette histoire, c'est moi le héros. Au mieux, t'es une intrigue secondaire. Attends une minute. Là où il y a des miettes, il y a toujours des meurtres. L'inspecteur Jésus va suivre cette piste.